Shake it, move it, move it, pump it, pump it. Shake it, move it, move it, pump it, pump it. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce stream de qualité. J'ai eu quand même allumé ma lumière derrière parce que ça fera plus de lumière, peut-être pas. Bon, c'est de la merde. Allez, bonsoir à toutes et bienvenue à Monza. Bienvenue, bonjour à Flo, Acta, Kaiser One, Basico, Pift. Comment ça va? Je suis toujours en compagnie de Thomas et de Asbos. Comment ça va les deux? Salut, salut. Bah écoute, ça va très bien et vous aussi. Ah écoute, après un grand prix d'une purge incroyable, après un grand prix de moto exécrable avec la descente de Fabio Quartararo, j'espère avoir un grand prix de qualité. Parce que bon, vraiment, pour l'instant, ce dimanche, c'est un enfer. C'était un enfer pour l'instant. C'est du Slicotti, ouais. C'est du Valfury. C'est une caster incroyable. Gary, il tire de feu de forêt. Ah ouais, d'accord. ils ont lancé à 3, c'est bon. Italie, j'ai eu très très peur pour l'instant parce que je me suis dit, oula, je vais pas revérifier le Grand Prix. On allait partir sur France. En tout cas, comme vous pouvez le voir derrière, et on remettra le classement, parce que là je l'ai pas en fait, il faut que je le reprenne. Le classement général, comment dire, entre la qualif et la course. George, après cette fait ban qualification, comment dire, était premier devant Varkir Acta. Ouais. Très très belle performance, de George, hein, qui faisait un last en partant donc 15e, si je ne me trompe pas, tout first. C'est ça. Donc maintenant, voilà, il y a une qualification, on va voir s'il y a une co. Parce que c'est la grande question On va les regarder comme il faut. Là. Ça va être. L'image. Allo, ah c'est bon, j'ai rien dit. La fête foraine s'est fermée, donc il est recyclé. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, il n'y a pas de chômage à temps partiel. Moi, je peux pas travailler en télétravail pour la fête foraine. Hein, donc, Bah ouais, faut en profiter. Faut profiter. Et ça y est, ça sort. Et c'est Céline qui sort. C'est Céline qui sort. Suivi de Tex. Et on a qui? On a Valfury qui a donné un beat. Merci Valfury. Merci Valfury. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait le plaisir.
Ah, des mythes, ça fait toujours plaisir. Toujours. Ah, et il n'y a pas de son. Comment ça? Ah, ça c'est moins plaisant ça. Oh, il y a tout le monde qui sort là, c'est là, c'est là. Voilà, c'est... C'est la parade. Et petite anecdote, j'ai nettoyé mon PC et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là. Je revis. Ah c'est bon. C'était un bug. Ouais. Et donc, ah, meubler, okay. Et donc t'as trouvé quoi dans ton PC toi? J'ai trouvé quoi? Oh bah beaucoup de poussière. Ouais, pas mal. Énormément de poussière et un ventilo sur les deux qui marche plus. Nickel. Voilà, sympa, hein, voilà, voilà. Nickel, nickel. Un pigeon mort aussi dedans. Il y avait des cacahuètes, des noix de cajou. J'ai retrouvé un sandwich triangle jambon beurre à l'intérieur. Ouais, et je me souviens, c'était au Tour de France 2018. Je l'avais perdu. Ouais, ouais. Et je savais pas où il était. J'ai retrouvé, ça y est. En effet, hein, c'est. Allez, on a Tex qui va commencer. Ah, c'est Tex d'abord. C'est Tex, ouais, d'abord, Tex, ok. Il est passé devant Selim. C'est Selim. Vrai, il est passé devant Selim. Et donc, bah écoutez, on va faire un petit tour avec Tex. Donc voilà, donc grosse ligne droite de départ élevé. Attention à bien réaccélérer dans la parabole. Comment dire, il a pas collé là, gauche. On atteint des. Ouais, voilà, on atteint des. Ouais, si c'est ouais. Faut coller à gauche ouais. Le plus possible. Ouais, 345 km/h. Ah, il a pas touché le pneu droit avec la petite partie orange. Donc là, il a perdu un peu de temps. Attention, on est un peu jeune. Ouais, ça ralentit, ça ralentit, ça va être passé. En tout cas, Tex, après, voilà. Donc après, l'épingle, une deuxième épingle. Là, pareil, faut couper, mais pas trop. C'est ça, faut trouver le juste voilà. Milieu en fait. Faut trouver le juste milieu. Là, il a très très bien fait, ouais, très très bien joué de la part de Tex. Après, voilà, c'est un tour safe aussi, hein, faut se le dire, c'est un tour safe. Oula, ça glisse l'arrière qui a voulu ouais, cliquer devant. Là, c'est dur, hein. C'est dur. Là, moi, je trouve que c'est le virage le plus compliqué de l'Italie, celui-là. Parce que. Ouais, les double LSMO. Ce virage-là, vraiment, c'est un enfer à bien freiner et à bien amener sa voiture à point de corde, je trouve. Je sais pas, on arrive sur Ascari dans le dernier. C'est un peu compliqué si tu à la manette, droite, mais la voiture te. À la te manette, fait spin, surtout aussi, à la manette, toi, c'est beaucoup plus compliqué oh que. Voilà. Oh, Joe qui a foncé dans Shift, et Shift qui s'était pas parti en fait. Ou c'est Medusa, je sais pas. Ouais, c'est Shift. Shift qui était. En fait, il y avait Geo en tour. Ouais, et Geo qui était au plein milieu de la trage. Ah, nickel. Tranquillement. Ah, nickel, nickel. Tranquillement. Et Tex qui commencera avec une 20.7. Une 20.7. Okay, c'est lui qui bat. Une 20.1, pas mal. Bah une 20.1 déjà c'est un peu mieux que, enfin déjà c'est un très très bon tour entre guillemets en premier hein. Une 20.1 je veux dire oui, le mec qui est... pour un premier tour c'est très très bien. Awakni une 19.9 voilà qui ferme la gueule à tout le monde. Oh, okay. Allez excusez-moi. Allez, allez. J'ai jamais fait une 19.3 dans tous mes tours hein. Allez lui a fait un premier tour. Alors c'est une 19.5. Allez, son match passe pas à Q hein, ce soir. George, il lance son tour. César Mode qui est pour moi un pilote qui est très fort en qualif, mais en course. GG les Renault, mais Medusa qui commence son tour. Ludo, une 20.8, pas mal, 6ème. Il se classe Batman, une 21.1. Et par contre, Acta, une 21.4 en médium, bon. Bah c'est pas mal. Il est dernier, hein. enfin il va être dernier hein, s'il reste sur ce... Faut pas en parler. C'est parti, j'ai lu le daron. Shift qui commence son tour hein, en médium. Et aussi, d'ailleurs, oula, qu'est-ce qui se passe qui laisse passer. Non, c'est pas, c'est des spooky. Non, c'est Yukitsu ou Acta qui laisse passer. Ah, attention. Oh, il y a Georges qui est arrivé. La Ferrari qui se décalait. D'ailleurs, ça va la co des deux là. Ouais, ça va. Ouais, aucun problème pour l'instant, les deux. Ah, franchement, bon, parce que j'ai peur, c'est la connexion. Si on doit redémarrer à cause d'eux, mais c'est fini pour eux. Genre, vraiment, je. J'en veux un, pas deux. Edou Daron qui nous avait fait plaisir hier, hein, parce que bon, voilà, il y a aussi Disparta et la FC qui sont G-Fight en ce moment même. Qui a ça a commencé, je crois, à 18h. Ouais, c'est ça. Donc on les encourage les deux, hein, la FC et Disparta. Et Georges qui fait une 19.7 en médium. Voilà, ouais, voilà. Pas mal. Pas mal, je veux dire, il m'a battu alors je suis en soft. Nickel. Ouais, pas mal. Et Medusa qui fait une 20.6. Y'a qui d'autre après? Y'a. Migos, une 22.5. Monsieur Shift qui finit. On a 21.2. Des Spooky qui lance son tour aussi.
Il a déjà fait un tour sur ses softs, en même temps il a dû annuler dès le premier turn, donc il a... Ce qui est bizarre, c'est que Monsieur Shift m'avait dit qu'il faisait une 18.5 en soft, donc ça me paraît très loin. Bah là il a en après c'est après, le premier tour hein, ouais, c'est ouais. Le premier tour, il est assez safe. Varkir P1 apparemment, nous dirait Kaiser One. Bah écoute, on va voir. Ah, il y a Nezuki qui est annulé. Aïe, coup dur. On a qui? On a Varkir qui va commencer son tour lancé. Ouais. On va voir s'il va faire P1 alors. On va voir si tu nous as menti pas. Ouais, donc tout le monde va à gauche comme ça? Ouais. Apparemment c'était la meilleure. Je la connaissais pas, c'est ça. En fait, en gros, c'est. Tu vas à gauche, tout à gauche. Pour le ton. Oh, ça glisse. Pour lancer glisse, ton tour. Et tu vas tout à droite pour terminer quoi. Okay, c'est... Bah écoute, voilà, de rien pour la première place. Grâce à nous, bah... grâce à nous, tu vas prendre voilà. 10 secondes d'avance. Juste voilà. De rien. J'espère que tu ta carte Steam de 10€ pourra être versée sur la The Garking TV. Ils sont déjà dépensés, donc c'est mort. Allez, donc terrible. Bah là on a plus que Varkir hein. D'ailleurs peut-être de grandes choses pour le prochain live parce que voilà aussi pour vous expliquer dimanche prochain il y aura pas de ligue parce qu'en fait il y a une petite pause, il y a une petite pause d'une semaine. Donc le prochain live pour la Ligue B sera dans deux semaines. Mais il y aura quand même un live dimanche à 18h, il y aura quand même un live, vous inquiétez pas. Si vous venez dimanche à 18h, il y aura quand même quelque chose. Bah ouais, bien sûr. Et il y aura peut-être un petit event qui va revenir. Un petit event que j'avais fait qui va revenir. Bah, ça sera peut-être à 21h aussi, ça sera peut-être mieux. À voir. Ouais, je pense. Ça va être un bon tour de Varkir, non? Ouais, Varkir, bon... c'est à droite qu'il faut aller, Varkir. Ah, dommage, ouais, M19-4. Ah ouais, là c'est l'inverse, par contre. Ouais, c'est à droite qu'il faut aller. Bah, pour un premier tour, pas mal. C'est bien. Et Jiozu, on va voir ce qu'il va faire, Jiozu. Avec ses médiums. Oula! Ouh, limite. Sauzer qui n'a pas encore spin extraordinaire, nous dit Valfury. Ouf. Il est quand même premier. Ok, je comprends comment Thomas Zer va chercher les petits dixièmes qui nous séparent. Et nous dirons, bon ça. Bah, pour l'instant, Kaiser One il est pas premier, Varkir, donc il nous a menti. Hein. Et Jiozu, Pas mal en médium les deux là. Pas mal en médium, je veux dire, Jiozu et George. Qui nous font des petits temps pas piqués d'un ton. Maintenant on a qui d'autre? On a Tex en tout lancé. Tex en tout lancé. Il est dixième. On va le suivre. Ouais, faut aller chercher un peu mieux là pour Tex. Il peut aller chercher plus loin je pense. Hein. En effet. Son premier tour c'était safe. Là, faut attaquer. Attaque. D'ailleurs, si Valfury, tu pouvais m'envoyer s'il te plaît en message privé le lien du dashboard quand tu l'auras. Ça me fera plaisir parce que je me suis pas encore connecté dessus. Oh là là, derrière ça se gêne, Nikos qui gêne Yukitsune. Oh là 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 là. En fait, c'est Yukitsune qui veut doubler Milgos alors que Milgos est en tour. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il lui chie dessus quoi. Bah, on est clairement sur quelqu'un qui lui chie dessus. Ouais. Ah, attention. Oh là là, Milgos qui s'écarte pas. Oh, terrible. Oh là 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 là. Il annule son tour, Tex. Il a pas. Ah ouais, mais Tex il a carrément ralenti. Ah ouais, mais oui, mais en fait, il y a Milgos qui est resté devant quoi, en fait. Hein, c'est. Ouais. On va suivre Batman, tiens. Mais est-ce qu'ils ont des rétroviseurs aujourd'hui? Non, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, la course était tellement nulle qu'ils sont endormis. Ils sont endormis en fait, leur cerveau est pas encore on. Ah, après, je veux dire. Au moins, ça a forcé les gens à filmer, hein, parce qu'il y en a plein qui ne filment pas. Et donc. Tex qui met des débris sur la piste, hein. C'est bon, je te l'ai envoyé. Ah, c'est déjà fait. Ok. Bon, on va voir ça après. Mais les mecs, Batman, quoi. Là, c'est moche. Hein. Ah, de quoi? Il a spiné, Tex? Non, Tex, il finit. Il va au stand, là, je pense. Ok, parce que j'ai vu arrêter. Et Batman qui finit. Qui a fait un bon temps, Batman, je crois, quand même. Hein. Ouais, Ludo qui rate. Ouais, Ludo qui a bien loupé son pédage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Selim qui va finir là, qui est peut-être annulé de 3 dixièmes. Ça pourrait lui faire monter à la 6ème place. À côté de son coéquipier. À côté de son coéquipier, ouais. À voir. Attends, mais. Une seconde. George. Ah non, j'ai bugué. Donc c'est lui. Ouais, il lui passe devant. 5ème, devant George, hein. En médium. Devant George en médium. Ouais, mais George. Et George qui améliore de 6ème, hein. Ouais. Il améliore de 6 dixièmes, donc c'est-à-dire que là il est en 1-19-1 pour l'instant. Ah, et sauf Zorbat qui améliore 1-19-0. Et là ça va être chaud entre les deux. Ça va être chaud. Mais je pense que George va passer devant.
Oh Ludo. Ouf, qui a failli spin dans ce carré. Attention, et ouais, ben, voilà, 18.7, allô. Oh. Ah oui, oui. Oh, ça spin pour quelqu'un là, pour une Mercedes, c'est Médusar. Ah, il a annulé, Médusar, ouais, qui annule. Ludo qui rentre, ah, ok. Yukitsune en tour. Ah, et on a Monsieur Shift qui vient de faire une 20.2. Bien. Une 20.1. Et pour l'instant, il n'y a que Jiuzu qui part en médium pour l'instant. Ouais, mais il est en tour de sortie avec ses softs, là. Ouais. Je pense que c'était plus un tour de reconnaissance. Il n'y croit pas. D'ailleurs, au niveau des stratégies, on est sur quoi en Italie? Soft, medium. Soft, medium ou medium soft? Ouais, ouais. Y a pas ça, de... ça reste la même chose. Ouais. C'est comme États-Unis, c'est. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que là. Yuki qui arrête. Yuki qui a raté son tour. Hein. On a l'impression qu'on est en train de petit à petit en fait la stratégie soft medium elle commence à passer un peu sur tous les circuits, j'ai l'impression. Maintenant, oui, c'est sûr que ouais la stratégie fait que comment dire ça dépend, ouais. Les hard après ça sont dépend pas... la, ça dépend la, comment on gère ouais les hard puis les hard on les connaît hein, on sait que c'est une tannée quoi. Ouais, alors que la FC et Sparta sont en qualif en Australie. Bah écoute Doudaron, tu es notre envoyé spécial à la ah et Markir qui annule, dommage. Ouais, dommage, Sozerman qui annule aussi. Et on dommage, a amélioré de 2 dixièmes Varkir et ça le ferait passer devant. Et Awakni qui a fait une 19.4, hein, on l'a pas souligné. Despooky qui est sur la fin, qui a fini son tour. Ouais, ça serait bien de faire un tour au moins. Ouais, ça m'a. Oh, et qui dépasse Shift juste devant. Le mec qui se dépasse Shift. Ah ouais, très hop, bien. Hop là, petit dépassement à l'extérieur. Ok, c'est Géo. Quand même, parce on a Géo. Ah, qui a annulé son tour, oh là, attention! Attaque qui. Oh, oh là, ouais, c'est bon. Oh, Géo! Géo dans le mur. Il s'est passé une dinguerie avec Takta ou c'est. Non, il s'est rien passé avec Takta. C'est vraiment Géo qui tout seul est sorti. Écoutez, on va aller sur Acta hein, parce qu'on l'a pas encore vu déjà de 1. Et il va commencer le dernier tour, la dernière fournée. C'est lui qui va la commencer. C'est ça. En tout cas, j'espère que la FC et Sparta vont faire de très belles choses sur le G-Shift. Oh, j'espère et aussi. Pourquoi ça pas les voir en Formule 4 pas la fin... Et pourquoi pas, ouais, pourquoi pas la finale au Castellet, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Acta, il est dans son tour, là. Allez, c'est parti, Acta. Allez. Alors, okay. Acta, voyons voir ce que va faire Acta. Il colle pas. Et ça, c'est un demi-dixième de perdu, ça. Hein. C'est déjà une dizaine de perdu minimum. Même une seconde minimum. Ah et ça a pas l'air d'avoir touché la petite partie orange. Ah c'est surtout la réaccélération qui est importante en Italie, hein, c'est sûr. On voit que Gary a eu des conseils d'impro. Oh non, juste j'ai regardé James, hein, c'est tout. clairement. Et il améliore pas pour l'instant. Hein. Acta qui améliore pas, il a du mal sur. Non, c'est. Après, peut-être qu'il a perdu gros dans le premier secteur, dans le deuxième. Hein. Ouais. A voir. A voir, est-ce que au second secteur, il va améliorer. On va voir ça juste après dans cette ligne droite. Cette longue ligne droite avec ce deuxième DRS. Voyons voir est-ce qu'il améliore. Attention. Ouais, deux dixièmes, ça peut déjà le faire remonter à la 9ème place, Acta. Après, est-ce que c'est bien d'aller à la 9ème place? A voir. Après, Acta, il joue les gros points. C'est vrai qu'il joue les gros points. Donc là, c'est même presque une contre-performance déjà de voir Acta à ce moment-là, quand même. Hein. Ok, ça m'a l'air bien ressorti. Ça m'a l'air bien ressorti. A voir. Et Tex qui abandonne. Oh, non. Troisième place. Ah ouais, il avait clairement foiré son. Tex terrible. Et c'est Céline qui va arriver sur Tex. C'est Céline qui va. Ah, y a la réaccélération, on la connaît cette réaccélération. Ouais. C'est juste après ce virage là. Allez, c'est. Oh là là, c'est Céline qui va dans l'herbe. Hein. Et Batman, attention, Batman. Ah non, ah, il va au stand Batman. Ah, c'est une Ferrari, je crois. Ah, ouais. C'est Alox qui. Ah non, c'est pas Alox. C'est Despooky qui compte son tour. Ok, on a une Renault. Une Renault de Ludo. Ah non, il a annulé. Après, c'est quoi? C'est Selim. Selim okay, qui fait son temps. Après, derrière lui, c'est Norzem, je crois, ou pas? Ou c'est Géo? C'est Norzem. C'est Norzem qui se derrière Selim. Ouais, Selim qui a un peu de mal là. Hein, sur cette fin de tour. Bah, il est quand même 8ème, Selim. Il a pas à rougir.
18, une 19, et... Ah, ça améliore. Une place de gagner de la part Selim. Et Norzem, deuxième, Norzem. Oh là là, très très bon. Et Georges qui améliore, non? Il arrive, il me semble. Et Georges qui améliore, bien joué. Alos qui commence. C'est qui après? C'est Géo qui a commencé. Acta qui a fini, je crois. Non, non, Acta qui... Non, c'est bon. Non, c'est Géo qui a commencé. C'est Alox, le prochain... Ah, c'est Géo... Non, Despooky le prochain. Non, il est annulé. Il me fait chier. Oh putain, il me fait chier, là. Varki à l'entour de sortie. Et donc là, c'est... C'est Alox, le prochain. C'est Alox, hein, ouais, c'est Alox. Et il est... Non, il améliore pas pour l'instant. Allez, Alox. Allez, si alors. C'est Harry, t'es à la maison. Il a peur de couper. C'est lui qui corrige toutes mes commissions. C'est grâce à lui que vous avez une bonne orthographe dans les commissions en Ligue B. Eh, il passe pas la 7 ici. Hein. Ouais. Attention. Devant, c'est qui? C'est Norzem et. Oh, ça a spiné, je crois, non? Ah non, ça ralentit. Non, juste, non, ok. Ça ralentit. Et juste derrière après c'est qui? C'est c'est Géo juste derrière hein. C'est Géo. On a encore une minute de décalage parce que Melizer qui sort des speeds t'as... Ah ok ok. Ouais, on doit avoir une minute de décalage. On doit encore un petit Après s'il sort des pits c'est juste hein. Ouais c'est très très juste hein. Oh, bah, ah bah il a arrêté. Et Géo qui va finir son tour. Alors Géo. Gunderman. Salut Gunderman. Une 18, non. Ah, non. Et deuxième. Non, mais deuxième. Oh, les Alfa Romeo. Très très bonne. Ah, voilà, 2 et 3. Qui c'est Yukitsune ou pas? C'est Yukitsune. Alors, est-ce qui que finit c'est fini ou pas? Yukitsune, attention. 13ème Yukitsune. Ah, c'est pas fini. Il non, a c'est pas passé fini. La ligne, c'est pas fini. Sauf Zermatt. En tour de sortie. On a Shift okay. Qui lance son tour là. Shift qui améliore qui améliore pas pour l'instant. On a qui d'autre là? On a une Ferrari qui va finir, je crois. C'est des Spooky, 12ème, très très bien. Varkir. Non, pas Varkir, c'est qui? C'est Ludo. Si, Varkir. Qui commence. Varkir mais aussi. Varkir qui finit aussi, oui. Allez, Varkir. George Magas, il a pas à être en Ligue B. Bah, et dis donc, c'est Lucel que j'entends ça là. Ça pue le seum. Bah, qu'est-ce qu'il y a 4ème ? Eh, 4ème. Ouais, il colle pas, d'accord. Il colle pas à l'arrivée, il colle pas à droite. Bah, écoute, Awakne, reviens l'année prochaine et tu le verras plus en Ligue B, George. Mais j'ai aussi qui a abandonné. Non, c'est normal, normal. Non, il a abandonné, Monsieur il s'est loupé apparemment. Monsieur Shift, ok. Des Spooky. Il a annulé. Yukitsune, qui a une heure de 1 dixième. Je vais regarder Ludo. Ouais, Ludo, parce que là il a meilleur de 2 dixièmes pour l'instant, Ludo. Ouais, juste après. Voilà. Ok, 4 dixièmes. Mais les frères Georges, faut les mettre. Une caravane, ils sont rapides, nous dit Acta. Ah, mais il arrête Yukitsune. D'accord, il s'est dit non. Sauf ça. Ok, rien. Ludo a amélioré de 4 et c'est Ludo, c'est le dernier Ludo. Ludo, c'est le allez, dernier. Allez, Ludo. À... Fais-nous rêver. Améliorer. Il pourrait passer 14ème. 13ème, hein. 14ème au moins. Minimum. Ouais, c'est un peu long là. C'est un peu long. Allez, allez, faut coller à droite. Faut coller à droite, mon petit. À droite, mon grand. Et 14ème. À 600ème. Ouais. Et c'est fini hein. Ah non, c'est des spots qui vont l'attendre. Oh. Ah, c'est le bot, c'est vrai. Ah, c'est le bot. Oh, putain. Ah oui, c'est le bot de Varkir. Et George en pole position. Ah bah c'est un cran au-dessus hein. Je veux dire, il est niveau Thomaser. Donc bon, c'est sûr que ah, OK. P4, je l'avais dit, nous dit Kaiser One. Alors non, tu n'avais pas dit ça, je crois. Tu l'avais dit, nous, Paul, il me semble. ça ment ici. Et je vais télécharger les classements le temps que ça finisse là. On va télécharger ça et je vous envoie les deux. Bon, alors cette machine, elle veut bien se lancer. De quoi? Il me parlait, Monsieur Shift avait une dessin quoi avec Josu ou Georges. Mais il me dit qu'il s'était fait rentrer dedans et tout. Mais par Josu, pour moi c'est Josu. Mais c'était pas une dessin quoi, celui juste qui s'enlève pas. Donc une sorte de mauvaise foi. Ouais, je crois. Alors on l'a dit, hein, il fallait passer au médecin après. après ce qui s'est passé avec Norzem. En tout cas, bien joué à tous les pilotes.
On va vous remettre maintenant au classement général parce que voilà, comment dire, il y a quand même un classement, je veux dire, les trois premiers qui... Alors aussi, on peut mettre lancement à 18h30, hein, on peut dire ça. Mets-le s'il te plaît, le temps que je mette tout ça. Image, hop, chargé. Les pilotes. Ok. Et hop, on met ça et on enlève la cam parce que voilà, donc ça cache. Et incroyable! Ah, et dommage, je ne pourrais pas lire ce follow. Dommage, en tout cas, vous pouvez le voir, vous le lirez. Vous lirez vous à votre maison. Dommage. Attends, t'as dit quelle heure? T'as dit quelle heure? 30. Mais en tout cas, dommage. Bien joué. Tu as failli m'avoir. Bien joué à toi. Il est malin. En tout cas, Georges. Est-ce qu'on va voir qui, même qui ça, comment ça, dire ah, est-ce qu'il y aura le taré? Georges qui mène comment dire un message supprimé. Ah, allez hop, c'est banni, c'est donc en tout cas Georges qui mène de 34 points le championnat. Le mec, il peut, enfin je veux dire, il aurait pu faire le G-Shift, se dire ouais c'est bon, je participe pas, m'en fous. Il serait toujours premier à la fin. Donc bah écoutez, bravo à lui. Et après, Varkir Acta, il y a encore 30 points à peu près par rapport à Batman. Il y a vraiment ce trio ouais. qui se détache. Moi je trouve ça quand même impressionnant. Ce trio qui se détache est vraiment incroyable. Bah, quand on voit quand même Geozo aussi, comment ils sont très très forts, ça fait réfléchir et tu te dis que là il est quand même loin, donc il a peut-être pas monté. Donc à voir si il va rester en Ligue B aussi l'année prochaine. En tout cas, Batman, Awakni, après Alox, Norzem qui doit prendre des points, hein, Là, il n'est pas à sa place, je trouve, Norzem. Après Tex, Medusar, Selim, Monsieur Shift. Très grosse bataille, hein, là aussi, entre la 10, 11 et 12e place. Ludo, Yukitsune, Geozu, Despooky, Linux, Milgos, Sozermatt et Hobbit qui ne marquera pas ses premiers points parce qu'il n'est pas là. Voilà, dommage, ce serait quand même la deuxième absence. Troisième maintenant. Donc attention à soi et on va passer à... d'ailleurs, il n'est toujours pas... Il n'est pas là, George. Hein. Je veux dire, il n'est pas dans la loge canal. Hein. Non, pas pour le... Non, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, donc As... Première devant Renault, Red Bull et Alfa Romeo. Bah là, Alfa Romeo qui peuvent gagner des points. Quand je vois qu'ils sont 2 et 3, ils peuvent marquer de gros points. Donc c'est pas fini. Mais As très très bien placé. Voilà, on a McLaren qui tarde à mettre des points. Mais bon, voilà, en tout cas, bravo à eux tous. Et bah écoutez, on va pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être mettre un pari? Un petit pari? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pari là, petit Thomas Zeras mode? Safety car, ouais, parce que. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Combien d'arrêts au stand à la fin du premier tour? On peut mettre ça aussi, non? Ah, entre ouais, ou en mettant une. Est-ce que deux arrêts. Et ou plus à la fin du premier tour. Là c'est tricky, je trouve, moi. Non, 3 plus, 2 ou plus, là c'est vraiment tricky. Là le, vraiment le oui ou non, ça va être chaud, moi je trouve. Est-ce que je sais pas s'il va être de cet avis là, mais je attends, trouve. Vas-y, répète. 2 et slash ou 3 et ou plus arrêt au stand à la fin du premier tour. Donc concrètement, non, ça veut dire 0 ou 1 pilote qui s'arrête à la fin du premier tour. Oui, ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6 et plus. Voilà, donc faut qu'il n'y ait pas plus de 1 pilote qui s'arrête pour gagner ce pari. Si vous mettez non, je pense que c'est assez compréhensible, non? Je pense que avec l'explication. 2 slash 3 d'arrêt au centre du premier tour. 2 et ou plus. Ouais. 2 ou plus. Okay. Arrêt au stand. Plus d'arrêt au stand au premier tour. Je pense que c'est pas mal. Oui ou non. Donc, si vous mettez non, c'est qu'il y a 0 ou 1 pilote qui s'arrêtait à la fin du premier tour. Si vous mettez oui, c'est qu'il y a plus de 2. C'est 2 ou plus. Voilà.
Est-ce qu'on s'est voilà, compris c'est parti. Voilà, c'est parti, c'est parti. Bah, pour moi, c'est bon. Bah, écoutez, c'est parti. Et pour ça, pour fêter ça, on s'abonne. On s'abonne à la VMV. Voilà, hop là. On s'abonne avec le Twitch Prime. Vous pouvez le faire vous aussi. Le Twitch Prime. Voilà. Je sais pas s'il y a la petite musique. Nickel. Oh, super. Il y a même pas de petite musique. Oh, oh super. Oh, super. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé parce que les messages de chiffres qu'ils m'envoient en plein cas, c'était un peu bizarre. Oh, super. Je m'abonne, il y a même pas de sonnerie. Ah, ouais, super. Apparemment, hier non plus, Flo l'avait pas. Je veux un remboursement, s'il vous plaît. Mais je crois qu'en fait, pour avoir la sonnerie, il faut dire dans le chat après que tu veux. Enfin, tu sais, genre, en fait, après, sur là, c'est que je me suis habillé sur portable, mais sur PC, en fait, faut. Après, t'as un truc où t'as le message, le dire à tout le monde, quoi. Genre. Ah, okay. Et je crois que. Sauf que t'es disqualifié. Aïe! Ah, très bien. Directement. Mais il est pas là, si? Si, c'est juste qu'il a été remis sur la grille déjà. Ouais, bien joué. En tout cas, donc c'est soft medium ou soft hard, d'après. Comment dire, d'après le jeu, c'est vrai. Bah après ça dépendra à quel voilà à quel moment les gens enfin vont s'arrêter. Il y en a peut-être qui seront plus à l'aise en s'arrêtant plus tôt et en mettant les hards. Il y en a d'autres qui vont pouvoir pousser. En tout cas beaucoup de noms. Vous pouvez voter hein. Vous pouvez voter pendant 30 secondes. Ouais, c'est gratuit hein. C'est gratuit. Ah, ouais. Vous appelez le 3680 pas ou mal, 7 13 13 par SMS. Et du coup ça nous envoie de la thune directement. Bien joué, et seulement 19 viewers, ça se voit que la K-Corp est en train de jouer. De bord de faire acheter. Et là on va voir, hein, ça va être la première ligne là, ça va être un combat de frères. Hein. Ça ah va bah être un duel fraticide. Bah de toute façon là les 4 premiers c'est vraiment des, comment dire, c'est vraiment des gens qui ont leur place en Liga. Et qui sont après, devant. Après même si là pour moi je t'avoue que Norzem il a réussi à sortir un peu. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, Geos, George qui spin. Oh là, heureusement qu'il y a pas les dégâts. Il va avoir les ok, Geosu hit us. Ouais. Heureusement qu'il y a pas les dégâts, sinon ouais. Oula, oh là, il respin. Oh là là. Oh, l'état des pneus. L'état des pneus de George. Ah très bien, fantôme, heureusement. Ah mais parce que le bot a déjà repris le... C'est le bot qui a repris, ouais. Oh putain, les pneus ils vont être brûlants pour lui là. Ouais, ça va être un enfer là. Ça va être sympa là pour le départ. Le premier viral, en tout cas, dès la 11ème place, c'est que des médiums. Logique. Logique. Et Matin Spin mode, en effet. Non arrêtez, aujourd'hui il a fini sans un spin. Ouais, bah à une minute de son coéquipier, bien joué mon grand. Oui, après oui, ça j'ai vu. C'était un peu honteux, mais... Allez, Gary, je te laisse l'honneur. Bah écoutez... Montez le volume. Et on vous met le virage. Et c'est parti. Et très très mauvais départ de George. Très mauvais départ. Oh là là, George, derrière, c'est George. Oh là là, c'est la descente aux enfers pour George. Ouais. Parce que les pneus n'étaient pas trop chauds. Ah bah les pneus étaient morts. Hein. Les pneus étaient morts. Et là, c'est aussi Norzem qui faisait Varkir qui prend son hit. Oh là là, Varkir qui est deuxième. Ah ouais, Varkir qui a fait P4 tout P2. Ouais. Et c'est derrière, c'est Tex qui a pris Tex qui a pris Il y a Yukitsune et Milgos qui se sont attachés. Des Spooky 4 places. Ah. Yukitsune ouais, qui a un problème d'aileron. Oh, derrière. Ouh là là, Batman, Ludo. Ouh là là, AS. Ouh, et Ludo qui casse son aileron. C'est une casse d'aileron pour Ludo. Oh, le départ des deux Mercedes qui sont catastrophiques. P4 et P15. Ouais, là, c'est compliqué. Et ce Zorman qui avait les pneus froids du coup qui est P10. Ouais, monsieur Shift là avec ses softs. Oh, c'est attention, pas ouf. Selim qui. C'est des têtes des Spooky qui double Selim en effet. Des Spooky très très bon départ, hein, déjà 8ème avec ses médiums. C'est ça, 4 places de gagné. Attention, pas glissé. Acta, je pense qu'il a déjà pris un avertissement, il est sorti de large. Ouais, Acta, on sait, Acta il a beaucoup de mal avec les limites de piste. Attention, et combien de pilotes vont s'arrêter? Bah, 0. Si, oh, il y a eu deux cases ailerons. Géo, meilleur tour. Ah, attention, Ludo qui s'arrête.
Un seul arrêt pour l'instant. Et je pense que Milgoz va aussi s'arrêter, je crois. Non, il s'arrête pas. Non, Yukitsune. Non, il a pas cassé Milgoz. Et c'est Yukitsune qui s'arrête. Et oui, c'est le. Et incroyable. Et du coup, c'est. C'est bon. Et c'est bon, bien joué. Bravo. Milgoz qui repart sur une stratégie en soft. En hard, Ludo. Et Yukitsune qui avait sans doute 5 secondes de pena parce qu'il avance pas. Oula, Georgie et Norzem, ça se fight. Ouais, Norzem qui se défend très bien contre George. Ouais. Ouh, tension. Ah, c'est très bien fait, défendu de la part de Norzem, ça. Très bien joué. Ouais. Par contre, j'ai une question pour la prédiction. Là, je suis un doute là. C'est 2 ou plus, donc si ça comptait les deux. Deux c'est compté dedans, oui. Donc c'est oui, ouais. Oui. Okay. Attention George à l'intérieur. Pourquoi il n'attend pas? Pourquoi il n'attend pas George? Il n'est pas patient. Je pense que Norzem là a dû avoir un petit avertissement. Et derrière c'est oh là là, derrière du coup ça va débouler, c'est Awakening qui déboule sur Akta. C'est chaud. Oh, attention. Akta a une vitesse. Par rapport à George, il avait une vitesse Akta. Ouais, Akta on dirait qu'il a mis, il a tout misé sur la vitesse de Alox. Oh là. Oh non, Alox, terrible. On le voit pas du coup sur la caméra, mais c'est Selim aussi. On l'a c'est vu derrière, on l'a vu à la. Oh, Selim et Alox, qui se sont. Alox, ils ont dû s'accrocher les deux. Ils ont dû s'accrocher en effet. On l'a vu derrière la caméra. Et George qui. Terrible. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oula, il y a eu Akta qui a dû essayer quelque chose sur George. Je pense qu'il a perdu des places, genre Akta. Ah non, attends. Non, du tout. Ah non, pas du tout, non. Attends, il y a eu un. Ou Akta a dû tenter parce que là George est vraiment à une seconde de Norzem hein, parce que. Ah ouais, il y a dû avoir un truc entre les deux. Oh, très très bien joué de la part de la Wakni. Est-ce qu'il n'a pas de dégâts? J'ai pas regardé ça. Akta. Oh, Akta qui retente l'extérieur. Ah, ça va être compliqué. Je ne vois pas de dégâts. Ouh, Akta qui est encore à l'extérieur. Hein. Là, c'est compliqué. Il perd du temps par contre là. Ouais, il perd beaucoup de temps. Mais attends, mais il va repasser. Est-ce qu'il va Akta? Non, Akta va pas repasser. Et Sauveur sur des spooky peut-être. Si, il y va. Oh le coup de roue d'Akta. J'ai pas vu. Oula. Oh là là, Akta, c'est compliqué. Oh, qui est sorti? Et c'est Norzem qui est sorti. Est-ce qu'il y a une case d'aileron? Y'a pas de case d'aileron. Y'a pas de case d'aileron de la part de Norzem. Quel début de GP incroyable. Non, Norzem n'a pas cassé, mais non. Du coup, Norzem il. Attention au spin, c'est le train-train. Et là, celui qui m'impressionne quand même, c'est des spookies, hein. 7ème, hein. Ouais. 7ème des spookies avec ses médiums. Hein. Ah, mais il a plus de VRS. Ah, ouais, il a tout gaspillé déjà. Bah, ouais, il surconduit pour essayer de il tenir. Sort, Bah, là, maintenant, faut qu'il économise derrière Awakening. Hein. Ouais. Là, faut qu'il se dise que Awakening, il va le tirer avec le DRS. Et que même, au pire, s'il se fait passer par un Sauveur, c'est pas trop grave. Il est non, dans le groupe. Faut qu'il tienne juste. Voilà, c'est ça, faut qu'il tienne dans le groupe. Voilà, là, il a compris, il n'en met plus. Bon, il reste à 20% pour l'instant, mais. Ah, le bordel nous dit Kaiser One, en effet. Et pour l'instant, c'est Géo qui mène sa petite course, Varkir aussi, du coup. Et mais il y a deux secondes entre chaque pilote, hein. Il y a deux secondes entre chaque pilote. Ouais. Et là, il y a vraiment ce groupe qui. Comment dire? Ce groupe la, qui profitera de la chaque erreur. Place, de la 4ème place jusqu'à la 8ème. Il y a le petit groupe aussi, Tex, Militaire et Shift. En effet. Qui n'arrive pas à passer. Tex qui a pris 6 places déjà. Hein. Dis-moi donc, si il se passe quelque chose dans ce groupe-là, Thomas Zer. Okay. Que je ouvre la caméra directement. C'est surtout triste pour Shift là parce que. Bah, on peut voir les places perdues, c'est vrai, top, sur le stream. Donc 6 places de gagner pour Tex, très, la meilleure remontée. Et 9 places perdues par Alox, pour l'instant, c'est la pire descente. Et ça, on peut voir hein, vraiment les. Après, Medusa, il a gardé sa place, hein, Medusa. Et, après, il est en médium, hein, Medusa. C'est ça. Là, ça sera plus en fin de course qu'il faudra regarder plus. Sauzer peut-être sur des spooky là maintenant. Et George, meilleur tour maintenant. Sauzer, non, qui va attendre. Trop loin, Ne tentons rien. Le monde doit être des spooky, on voit que ça commence à être compliqué avec les médiums. Avec le reste, il arrive à tenir le rythme. Maintenant, il arrive vraiment pas. Faut qu'il attende vraiment en fait que l'usure des softs fasse son effet. Et puis là, il est plus dans le DRS, faut pas qu'il se reconduise. Le pire qu'il pourrait faire, c'est se reconduire parce que. Tex pilote du jour. Bah pour l'instant, il pilote du jour en tout cas, c'est vrai. Il y a Monsieur Shift qui a laissé passer Monsieur Shift. Ouais, il y a une consigne d'équipe. C'est normal, Monsieur Shift avec des softs, hein. Faut qu'il profite. Oula, Monsieur Shift, c'est compliqué. Hein. Ah, ouais, c'est limite en fait quand Melissa a laissé passer, c'était limite qu'il a freiné quoi.
Acta il va être un peu loin sur Norzem là, ouais. Wakni peut-être, non, trop loin aussi. Ah Wakni et Acta là ils sont pressants. Souther, Souther ? Souther, non Souther il plonge pas, il s'est décalé mais non. Oh non Acta, c'est fini pour Acta. Oh terrible. Oh terrible. Est-ce qu'on va avoir une safety car? Safety car virtuel. Safety car virtuel. Oh les chances de championnat là-dessus qui s'envolent. Oh là 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 là. Oh là là. Et là Acta. Là Acta il se met. En plus, enfin ouais, c'est. Il se met. Bah, il était à fond sur Norzem. Hein. Il était à fond sur Norzem et c'est dommage hein. Mais ça se sentait même au qualif hein, qu'il était pas en plus super confiant peut-être Acta. Ouais, je pense. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de confiance de la part de Acta? Parce qu'on se souvient la semaine dernière, il avait dit ouais, sur l'Italie je suis trop rapide. Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas un trop plein de confiance de la part d'Acta? C'est bon, ça reparti. Avakni qui a été très très safe. Hein. Ouais. Après, vaut mieux perdre une seconde maintenant que sur un vrai coup. C'est genre, moi, son, à chaque fois, je mets une seconde de retard. Hein. Genre, c'est. Je me dis. La petite technique, tu vois, avant les virages, je me mets une seconde 5. Ouais, voilà, et sur les virages, je me trace. Voilà, c'est ça. Dès qu'il dit fin de safety, c'est là où tu te laisses un peu de temps et puis après t'accélères. Ouais, mais souvent, la fin de safety, elle arrive souvent dans un virage, donc c'est souvent chiant. Ouais. Et Souther. Faut l'anticiper. Et Souther. Souther sur des spooky peut-être. Ouais, peut-être non, un peu loin. À la prochaine ligne droite, j'ai pas arrivé. Il a beaucoup de RS, Souther, il faudrait qu'il y aille. Ouais, mais des spooky après. C'est bon. Là il y va là. Là c'est fait. Ouais, des spooky se défend pas, il attend. Ah mais c'est pas bête de la part des Spooky parce qu'il a zone de DRS après. Et là il va être bien placé là. Est-ce que on a Acta en loge? Oui. Vas-y move le. Salut Acta. Bonsoir Acta. Vas-y explique-nous un peu toute ta course, tout ton week-end. Et des Spooky qui repassent sauf en matin. Déjà les qualifs, je me fais gêner dans mes tours. Donc je peux jamais aller chercher mon temps. Ah super. Donc le 19-3 quoi déjà, super. Donc 3 dixièmes perdus parce que les mecs se poussent pas ou quand t'arrives à la chicane ils sont en train de ils sont sur la ligne de freinage donc tu perds du temps et on puis a là vu bah, ça, y avait... sortie d'Ascari en fait je me fais dévanter par Norven, je prends un coup de raquette, je contre break mais elle part quand même et. C'est dommage. Ouais, non mais c'était bien, j'étais bien là, c'est. Tu faisais une très très bonne course, je pense que comment dire. Et... Il y avait une quatrième place à aller chercher. Salut Bardi, bonjour. Le caster de PS4, hein, Ligue B si je me trompe pas. Mais oui, c'est vrai que comment dire, il y avait une quatrième place à aller chercher minimum. Ça c'est sûr. Ouais, j'étais sur mon rythme et là, bah, je la perds. Quoi. Est-ce que là, ce serait pas des gros points perdus pour le championnat? Ah bah si, carrément. C'est bah là, c'est sûr que par rapport à Varkir, là, tu vas prendre une course concrètement de retard. Bah, je vais prendre, c'est quoi, deuxième place, c'est 29 points dans la gueule. Moi, je vais être à 31 points de retard, quoi, GP. Ouais. C'est. Maintenant, comment dire. Voilà, le baron Batman, lui, il est 8ème là. Voilà, c'est. Tu vas pas perdre ta 3ème place, c'est sûr. Mais. Ouais, la course n'est pas finie, il peut se passer encore des choses. Mais entre guillemets. Oh, des Spooky, le sauveur qui repasse des Spooky. Mais entre guillemets, ouais, c'est sûr que là. Va falloir rebondir. Et maintenant t'as 2 semaines hein, pour te reposer, rebondir sur Monaco et puis on te souhaite le meilleur du monde. Hein. Ouais, merci bien. Ouais. Merci à toi. Tout le bonheur du monde. On va y encourager Monkey. Allez, ciao. Allez, c'est bien ça. Allez, salut. En tout cas, ouais, c'est. Et Awakni qui se fait pression sur Norzem, qui est le seul à pour l'instant à avoir pris des pénas. Je trouve. Enfin, à 8 tours, à avoir que Norzem avec des pénas, je trouve ça quand même assez. Ouais, pour l'instant, c'est George pas trop. Georges qui revient sur Varkir. Hein. Ouais, Georges qui a plus qu'une seconde. Hein. Mais il utilise quand même pas mal de RS. Et Varkir qui reste au même niveau que Geo hein, aussi, hein, parce que c'est quand même 2 secondes depuis le 8ème tour. Hein. C'est... Ah, mais Geo il a full RS, qu'il s'y fait. Ouais, Geo il économise, il a raison. Il dit à quoi bon pousser. Ouais, mais économiser, mais si t'es à 100%, ça sert à quoi? Il y a encore ce groupe de la 4ème à la 7ème place, hein. Il y a encore ce groupe. Ouais, et il y a un bon Tex, Tex. Oh non, mais c'est Shift! En direct, monsieur Shift! On l'a vu! On l'a vu en direct! Oh, terrible! Oh, le karma qui s'est pris! En fait, en sécurité! Safety car, oh, ça c'est bien ça. Ça va resserrer tout le monde, ça c'est bien. Oh là là, et ça, tout le monde s'arrête au stand, tout le monde s'arrête au stand! Oh, il y en a plein. Oh putain, ouais, ça met bien tous ceux qui sont en soft. Hein.
Ah, c'est sûr que ça. Ça Barkir, il est bien. Norzen, il est bien. Awakni, il est bien. Southermat, il est bien. Pourquoi il... Mais. Bah, tout seul, les deux, ils sont bien. Attends, Awakni se fait gêner dans les stats. Après, c'est pi gratuit pour les softs. Hein. Ah ouais, c'est un pit gratos. Et là, après, moi, là, je... en, medium, en vrai, je suis en médium, je me mets en hard. Je me mets en hard. Ouais, je me mets en hard. Je me mets en hard. C'est. Parce que là, des spookies, du coup, c'est dommage parce qu'il va se faire attraper par tout le monde. En Vilgo, ce qui laisse passer Norzem, qu'est-ce que quoi? Ah, en ma vie. Oh non! Qu'est-ce que. Milgo qui abandonne! Qu'est-ce qui s'est passé? Norzem 5 secondes, mais qu'est-ce que. Y'a Milgo qui a laissé passer Norzem, et après Norzem qui a freiné pour laisser passer Milgo, mais sauf que Milgo l'a éclaté le cul. Oh non! Et donc Norzem qui s'est pris 5 secondes. Aïe. Ils ont peut-être eu un souci de. Genre de laisser passer aussi. Brady qui disait j'allais écrire si SC je sub. Allez, faut sub, Brady. Faut sub, Brady. Hein. Et ça nous écoute. Ça nous écoute. Tex, Selim et Alos qui ont mis les hards. Ouais, bah c'est une. Je pense que c'est la meilleure frappe. Vas-y. Et Brady, attends, parce que Brady. Nous ferons un sub, Brady. Merci beaucoup, Brady. Merci, Brady. Merci beaucoup. On dira un maximum de GG, Brady, s'il vous plaît. Monsieur Spin. Salut, Monsieur Spin. Bonjour, Monsieur Shift. Bonjour, Monsieur Shift. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a vu faire un tout droit en caméra en premier plan là. Je sais pas. Même moi, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. La voiture, elle est partie, tout simplement. Même moi, je saurais pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que. Est-ce que tu as écouté la FIA et aller au médecin? Ouais, parce que je sais pas, non, vraiment. Elle est partie toute seule et j'ai fini dans le mur, quoi, après. Du moment où tu pars dans ce virage, en plus, tu pour la rattraper... Ah, c'est compliqué. La rattraper, non, je sais vraiment pas comment elle est partie, en plus. Parce que j'ai même pas mangé de vibrage, j'ai dit, celui-là, je le touche pas, parce que mes pneus commençaient à être usés. Et justement, elle est quand même partie. Ah, dommage, donc, et tu faisais quand même, on va dire, une course respectable. Tu gardais ta place, entre guillemets, tu étais quand même aux alentours de ta place. Est-ce que tu penses qu'avec un plus d'entraînement ou un truc comme ça, ou est-ce que c'est vraiment t'as pas compris quoi? Non, vraiment, je pense pas que ça vient de l'entraînement, j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé. Okay. Après, j'ai voulu faire un départ très safe. J'ai préféré perdre des places que le. Vu comme tous les autres arrivaient comme des balles derrière, j'ai dit vaut mieux pas que je reste au milieu, tu vois, j'avais pas envie de casser. Donc je me suis dit autant que je laisse passer des gens, ils sont en médium, je pourrais les rattraper en soft. Donc en vrai, voilà. Après j'ai loupé mes qualifs donc ça aide pas le truc non plus. C'est dommage. Quand même t'as 2 semaines de vacances maintenant. Le prochain GP c'est à Monaco dans 2 semaines. Maintenant tu pourras te rentraîner directement. Et puis voilà, en tout cas bonne chance pour la suite, Shift. Bonnes vacances. Et on se retrouve dans 2 semaines. Mais merci, allez, à plus tard. Ciao. Ouais, ciao. Salut mec. Et Milgos, est-ce que Milgos est dans la loge? Ouais, je pense pas. Ok, bon. Est-ce qu'il y aurait pas une petite prédiction à faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il y a la Medusar et des Spooky. Medusar s'est pas arrêté. Géo remonte sur le podium après le premier tour? Est-ce que Varkir dépasse Géo à la relance? On pourrait dire un truc comme ça. Est-ce que Varkir est devant Géo au tour 14? On peut dire ça par exemple. Au début du tour 14. Début tour 14. Donc ça veut dire que la safety elle va rentrer. Oh pardon. Excusez-moi. La safety elle va rentrer donc à la fin de ce tour 6 sans doute. Ouais, ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin quand même. Dépasse Géo du. Ouais. Au tour 14. Avant tour 14. Ouais, au début du tour 14. Parce que là, c'est des spooky hyper gros là. Hein. Là, hyper gros. Ou à la fin du tour 13, hein, comme tu veux. Genre. Allez, Medusar, tout le peuple belge compte sur toi, nous dit Slicotti. Bah, Medusar là, il s'est pas arrêté. Hein, donc, je trouve que c'est une mauvaise strat ce qu'il a fait, Medusar et des spooky. Je pense qu'ils ont fait une mauvaise strat. Maintenant, entre guillemets, s'il y a une safety car dans 10 tours. C'est une bonne strat. Ouais, là c'est une bonne strat, voilà. Ils misent peut-être sur une. C'est vrai que le fait que tout le monde soit regroupé comme ça. Attendez, parce que là il y a Valfury qui donne 10 balles! 10 balles, et ça me rappelle que j'ai pas. Merci, c'est pas la barre de don. Hop là! Barre de don! J'ai envoyé là.
Hop. Prédiction. Prédiction, les gars. C'est parti. Donc, en tout cas, merde. Est-ce que Markir dépasse Géodu avant la fin du tour? Et là, il y a toute la pression sur Despooky qui va faire sa première relance de safety. Oui, c'est vrai. Despooky. Attends, voilà, elle rentre sécurité. Elle rentre ce tour-ci, donc il aura deux tours pour il aura deux tours pour doubler. Et donc c'est dépasse, hein. On dit pas qu'il finit devant, c'est dépasse. On est bien d'accord sur le terme dépassé, hein, bien sûr. Il colle la safety, là. Ouais. Ah, je pense que Despooky rentre très très mal. Hein. Et c'est reparti, c'est reparti. Non, toujours pas, toujours pas. Là, oui, là, ça y est. Et du coup. Oh, Medusa, et mauvaise pour. Varkir. Varkir s'est fait avoir. Incroyable. George, oh là là, oh mon dieu. Très bien. Oh là non. Oh le bordel, oh le bordel, au secours. Oh là, allez, adieu. 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 Oh non, c'est bon. Ok. Varkir, ok, Varkir qui reprend sa place. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un carton. Sauvermat qui dépasse Medusa. Ouais, bah avec les pneus frais. Oulala, ça tourne, ça. Allez, deux frérots. Oula, Varkir qui a tenté sur George. Oh, Medusa, non, Medusa, qu'est-ce qu'il fait? Terrible. Oh non, Medusa, non. Alors ça, par contre, Medusa, non, jamais, Medusa. Alors ça, par contre, jamais de la vie tu fais ça, Medusa, plus jamais. Le pauvre Ludo qui a pris. Ludo, il s'est pris il s'est fait méduser. Il s'est fait méduser, Ludo. Oh mais là c'est une catastrophe pour les Mercedes là. Ah, et Mercedes qui clairement n'ont... Ils veulent pas la coupe du titre. Ah, ils veulent pas, c'est ils veulent pas. C'est quoi ça? Ils sont dépités, les Mercedes. Elles sont Céline sur Tex, pourquoi pas. Mais du coup il a cassé un aileron de quelqu'un là. Non parce que non il a tapé le derrière de Ludo en fait. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a perdu un bout d'aileron. Norzem, ouais. Ouais, il a plus d'ailette droite. Allez, coup dur pour Norzem. Non, il rentre pas, il continue. Norzem. Ouais, il continue. Bah, je pense que c'est la meilleure solution à faire, hein, pour Norzem. Bah, du coup, Varkir qui passe Géo, ça va. Oui, ouais, c'est compliqué. Oh, Géo qui tente sur des Spooky. À l'extérieur, à la relance. Très très bonne relance. Oh, attention. Derrière. Ouais, c'est bon. Oh, et des Spooky qui voient pas de George. Ou des Spooky qui n'a pas voulu se faire passer par le deuxième frérot. Oh là là, oh, ça va être bien. Oh là là. Oh là là, oh, c'est l'enfer sur Terre. Oh. Ok, c'est bon. Oui. Oh. Ok. Oh, d'accord. Ça va, c'est respectueux. C'est ça va. En fait, à chaque fois, je m'imagine des trucs. je m'attends à des gens qui font des tenues. Oula, drapeau jaune. Et c'est Alox. Terrible, Alox. Et Alox qui attend que tout le monde passe. Bien joué. Voilà. Il a pris des erreurs de Medusa. Ouais, mais le pauvre Alox là, c'est pas son week-end, hein, malheureusement. Alox, non. Bah, déjà, en plus, il s'est démené. Bah, vraiment, il est à l'étal. Enfin, vraiment, il est revenu de son week-end avec son chat une minute avant le départ de la course. D'accord. Il s'est vraiment. Bah, en vrai, c'est comme toi la semaine dernière, quoi. C'est vraiment. Il s'est tout donné pour revenir. Cela ne nous regarde pas. Bon, allez, la prédiction qui est finie là-dessus. Ouais, George qui va attaquer des Spooky là. Ouais, George sur des Spooky. Et donc c'était non. C'était non, il fallait choisir. Il la thune du shipper. Ah, mais les deux n'ont plus de RS. Hein. Les deux n'ont voilà, plus de RS. George à l'intérieur. La thune pour shipper qui gagne. Oh, shipper qui gagne un max de Tudas. Ouais, oh là là, et Varkir qui en profite. Varkir qui en profite. Oh là là. Attention, pas trop de. Là, tu parles du temps, Varkir. Hein. Tu parles du temps, mon grand. Et donc c'est shipper qui a gagné 6K. Bien joué, shipper. Bien joué, mon grand. T'as été solide sur les appuis. On a des belles batailles aujourd'hui. Je pensais qu'il y aurait plus de pénalités aussi. Sauveur Matt, 3 secondes aussi. Ah bah ça y est, ça tombe là. Voilà, merci Gary d'avoir demandé. De rien. Bonjour, des pénalités, on offre. Je suis content. Ouais, je pense que là ça va passer pour George. Là ça va passer. George. Attention, George. Ouais, les pneus usés de Spooky, ça va faire mal. Ouais, c'est. Oula. Il se laisse pas faire. Ouais. Mais il garde sa ligne pour l'instant et. Moi j'ai peur quand les gens ils se décalent comme ouais, ça. Ouais, quand ils se décalent à chaque fois, ouais, c'est. Ouais. T'as pas envie de voir ça la suite. Ça fait les affaires de Géo, ça. Hein. Ah, c'est sûr que Géo là il s'envole. Hein. C'est dommage pour Despooky parce que là je pense qu'il va perdre deux places en un. Et c'est Avakni aussi qui se fait pression sur Sauveur Matt. Attention, George. Oula.
J'ai eu une petite. Oh, les deux ouais. n'ont plus de RS. Et il fait le serpent. Le serpent des mers. Le serpent de terre. Ouais, mais c'est que ça va pas passer. Apparemment, qui n'est pas interdit. Apparemment, on a droit à 3 changements de position. Enfin, de place sur la ligne. Ah ouais? Avant d'arriver au freinage. 3, ok, ok. C'est, je ne savais pas. Je ne savais pas. D'accord, bah écoute, dragon des mers qui est légal. Par contre, c'est impressionnant le rythme de Despooky à retenir Georges et Varkir derrière entre lui. Entre la 2ème et la 7ème place, il y a un groupe. Hein. Oh, 3 ans. Oh, bah Despooky, terrible. Bah, Sauzer qui rattrape la voiture. Sauzer qui a recollé à Varkir déjà. Hein. Ah, et c'est lui qui double Batman. Et c'est Varkir qui a du mal maintenant. Non, Narzem il arrive à tenir quand même. Ah, c'est la qualité de Gary King ça. C'est mal dans le secteur. C'est de la Gary Corp ça. C'est de la même. Oh là là, Georges maintenant. Georges qui décale. Oh, George. Il va. Il plonge. Ouais, ça passe. Ça passe. C'est très très bien. Oh, c'est très très bien passé la part de George. Très bien fait. Et Varkir qui a peut-être passé juste après. Là, pour moi, je suis des spooky. Je m'arrête. Hein. Malheureusement, je m'arrête. Hein. Bah, de toute façon, c'est maintenant. En secteur 2. En secteur 2. Alox. Oh, terrible. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Et là, c'est le pire scénario pour des spooky. Ah bon? Ah bah oui, parce que c'est soit parce il s'arrête et il fait 12 tours sur ses softs. Et il s'arrête ou pas? Oui, il s'arrête. On a qui d'autre qui s'arrête? Bizarre doit s'arrêter du coup, aussi. Ouais, hein. Je voulais répondre à Shipper. Moi, c'était Acta qui m'avait mis ça pour les changements de. Les softs hein, pour des spooky. Et je pense que c'est la meilleure strat parce que là, il reste 11 tours, sachant qu'il va y avoir minimum 2 tours de safety, donc bon, ça fait qu'il va avoir 9 tours sur ses softs, de quoi attaquer pour aller chercher des points, parce que là, bon, malheureusement, il est 11ème, mais... Bah après, quand même, 11ème avec des softs, c'est quand même pas mal pour des spooky. Ouais, hein. C'est bien, ouais, dire, parce qu'il va pouvoir attaquer sévère devant lui, Ludo, Yukitsune, Batman, et enfin, tous ceux qui sont en hard là, bon, même si Tex, mais du coup, il se retrouve 6ème, c'est vraiment, pas mal. Faut qu'il soit vraiment, comment dire, calme. PTDR va falloir meubler jusqu'à 19h45, messieurs. Bah pourquoi? Comment ça? Faut. Ah bah non, moi j'ai pas signé pour ça. Hein. Au bout d'un moment, faut. Moi j'ai signé pour qu'à la fin de la Ligue B, il y ait comment dire. Ou alors tu fais un raid du stream de la fessée, tout simplement. Ouais, moi je dis ça comme ça. Mais ouais, après tout le monde a pas faim. Oui, ouais, non mais je veux dire enfin je veux dire fini parce que... normalement dès que je coupe il y a le plateau quoi genre parce que 45 là on les tient pas les 45 hein je te le dis maintenant hein. C'est je le dis maintenant on tient pas hein. Ouais, c'est, ça. C'est je ne regarde pas allez. Et du coup maintenant tous les viewers tous les joueurs sont dans les points. Le Médusard 13ème Non parce que mais en fait là c'est que il y a quand même là tu me demandes de tenir 30 minutes hein, sans rien. Je veux dire c'est compliqué. Horrible cette course, voilà. Cousure. Ah, Alex tu veux passer hein. Ouais, tu peux passer à l'Ox. Attends, qui c'est qui s'arrête? C'est Ludo! Ouais, ah, bah Ludo qui dit: bon, allez, je vais m'arrêter, je vais mettre les sauvetés. Et Narzem qui s'arrêtait d'ailleurs aussi! Très très bon choix, parce qu'en plus, ces 5 secondes comme ça sont plus là. Hein. Ouais, c'est Narzem, il a les softs, il a enlevé. Ses 5 secondes. Il a enlevé ses 5 secondes et il a un nouvel aileron. Donc il y a là, R à dire. On a pas roulé aucun const là? Oui bah c'est conseillé. Ça le fait devant Georges, il roule en quinconce. Georges il roule en quinconce, regarde. Ouais bien joué. Il a lu le règlement et derrière ouais bon ça chauffe les pneus. En effet bah après je veux dire avec leur connexion c'est sûr que vaut mieux être en quinconce. On sait jamais. Non mais et ça en vrai tes mauvaises langues hein, ça va là pour non, l'instant. Non ouais, c'est vrai que ouais, c'est ça. Bah regarde. Bah non je te jure. Bah tu vas me dire qu'Avakni le fait là. Non mais là en même temps dans cet endroit là en quinconce bon. Ah si on va voir. Bah là regarde. Ouais en quinconce. Bah alors au début non. Alors comme par hasard. Ah ça bégaye. Non mais là après oui. Non mais je sais mais je comprends être quinconce avec un mec qui fait du gauche droite hein je veux dire. Moi je vois ce tout va dire du shipper.
Et là, gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment les 4 derniers en soft, t'en as 3 qui sont hard, et tout le monde en medium après, hein. Donc ça va être vraiment intéressant. Et les 5 balles de Valkyrie. Et 5 secondes oh pour non, Tex 5 secondes pour collision avec Selim, mais Selim a peut-être perdu un peu d'élan là, Selim. Fais 20 fois. Eh oui, Selim qui a cassé l'élan. Ah, et Valkyrie qui fait un don de 5 balles. Putain. Le pauvre 10, le pauvre. Allô. Ah, j'avais compris 100 balles. 100 balles. T'es là. Ah ouais, quand même. Attention, je vais avoir lancé Géo. En un mois, non. Ouais. Géo qui roll, non. Merci beaucoup, Valkyrie. On veut des GG et des merci dans le chat, s'il vous plaît. Et il relance, ça y est. Et c'est bon, ça relance. Oula, qui va se faire avoir? Ouais, Sauveur. Ouais, c'est encore Varkir qui se fait avoir. Varkir se fait encore avoir. Oula, par contre, Varkir, attention. Varkir, on va lui faire un tuto, relance les petits cartes. Ouais. Oh non! Ouh, Tex! C'est qui derrière qui a? C'est Tex? C'est Tex, ouais. Oh, derrière? Tex qui perd gros là, Tex qui perd. Mais il s'est pas pris 5 secondes. Oula, c'est des Spooky! Des Spooky qui a eu un problème! Oh, terrible, des Spooky qui a dû se. Oh, Norzem qui double Yukitsune aussi! Des Spooky qui a cassé, hein. Attention derrière, s'il vous plaît. Oh, oh Yukitsune, c'est large. Oh, il est dans le sol pour moi, très bien. Allo 100 balles pour ce point. Il a cassé son aileron pour moi. Oh, et Shipper qui fait un don de 10 balles. Merci beaucoup. Merci, copine. C'est plaisir. Alors, merci, on en est où Et Norzem qui double Tex. Oh, Norzem, on le ra. Oh là, Tex. Allo. Attends, oui, il est bien. Qui a plus d'aileron, moi. Aïe, 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 oh là, incroyable Norz. Les Spooky, c'est dommage parce que vraiment il avait un beau potentiel. Hein. Oh, et Norz est déjà sur Batman, mais allô, mais arrêtez-le. On l'arrête plus, déjà 7ème au bout d'un tour. Non mais. Là, c'est... il va aller en attaquer direct Kimi Raikkonen à Portimao en 2020. Oh, et Norz qui est déchaîné. Oh, il est dos sur texte. Ludo sur yes. texte. Ça y va, ça y va. Bon, ça en effet, avec les softs, hein. Avec les softs, c'est. Pas encore. Attention, hein. Oh, freinage et les softs, normalement. Ah non, d'accord. Ah, c'est toi qui a préféré. Ouais, si, par contre, je l'ai vu TP, moi. Non, mais c'est moi qui. Ah, oh, j'ai cru que c'était moi qui avait des bugs. Non, je l'ai vu aussi avoir une TP, mais par contre, là, il le réattaque instantanément. Ah, mais Tex, il a bien protégé. Ouais. Et devant, qu'est-ce qu'on a devant? On a Souther toujours sur Varkir. Pas grand chose, tout le monde est un peu sous la seconde. Celui qui doit tenir à tout prix, c'est Batman, hein, parce que tout ce qu'on Asmode qui fait un don de 5 balles. Merci Asmode, plaisir. Asmode qui caste et qui envoie des larmes. J'ai fait un don de 5€ apparemment. Ah bon, je n'étais pas au courant, les gars. Est-ce que c'est pas Shipper qui envoie de l'argent avec Attends, c'est Shipper qui. Si, il a marqué ce début là, je mettais Asmode. Ouais, merci les gars, merci. Parce que moi aussi, tout d'un coup, j'étais genre, putain, le mec il cause et il donne 5 balles. Genre, enfin, genre, le mec il. Quel on lâche plus. Ouais, donc là, je te disais, là, Portimao, machin, et Asmode 100 balles. Oui, t'inquiète, mais donc, là, je te disais, moi, je suis en rencontre. C'est incroyable. Merci beaucoup. Pendant une demi-seconde, quand même, j'ai eu peur parce que je me suis dit, alors. Ah, qui a créé mon compte? C'est vrai quand tu sais pas qui est, tu te dis bon, où est ma carte bleue chérie? On a failli ban. En plus, ouais. Dans mes veines. Et Tex, oula, Tex qui a failli défoncer Batman, j'ai l'impression. Et Norzem qui est passé sur Selim. Hein. La relance, Batman sur Selim. Il est pas déjà pas passé aussi. Très bien, je suis en retard du coup. Nickel. Selim, non, Géo, je disais. Oh là, t'as un peau jaune. Et c'est Yukitsune qui a mal redémarré, à mon avis, qui a dû couper. Bon, c'est les deux frérots, hein. Ils vont s'affronter là, les deux frérots. Un duel fratricide. Ouais, ça c'est. Ça va être une belle bataille, ça. Et là, on a Norzem qui est en train de se venger là. Oh, il est en train de tout remonter. Ah ouais, là il va passer bientôt sur Awakni. Moi je pense qu'il va être quatrième à la fin, Norzem. Bah après, faut pas oublier qu'il a des pénas, malheureusement. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je pense qu'il a peut-être doublé Varkir, mais qu'avec les pénas, il va pas. Oh non! C'est Yukitsune. Et là, on a le duel. George! Dans la. Oh, Norzem qui a du mal hein, sur la sortie de Scarlet. Norzem. C'est la deuxième. Oh bah, Yukitsune encore dans le. Ouais, Yukitsune pas mal. À chaque virage, hein, le corps, malheureusement. Et Tess qui double Batman. Et George, regardez la bataille, est-ce que ça va passer pour George? George
Attention, et ça a dépassé, hein. Et non, et ça doit gueuler dans la maison. Ça doit gueuler dans la maison. Non, me dépasse pas. Attention. Oh, Georges. Oh, Georges. Oh, oh là là. Et oui. Oh, le décroisement. Oh, 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 voilà. Dis-lui, dis-lui. Oh là 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 là. C'est magnifique ce qui est en train de passer. Ah, mais là, fou clip là. Fou clip là. Ah, c'est du beau jeu. Ah, ça revient. Non, quand même pas. S'il vous plaît. Et Norzem qui a 6 secondes par contre, hein. Ouais, Norzem du coup là qui passerait potentiellement qui passerait 7ème pour l'instant. Batman, on a aussi une bataille pour la 8ème place, hein, jusqu'à Médusard. Médusard qui n'arrive pas à doubler, hein, par contre aussi, hein. Ludo et Médusard qui ne... Ouais, Médusard en soft et Ludo en soft, ils n'avaient pas doublé Batman. Vraiment, je trouve qu'il s'est rendu gâchis là, de pneus. Ouais, Norzem. Pourquoi pas, sur Sauveur Match. Bah, de toute façon, là, faut qu'il le double et qu'il mette 3 secondes à Sauveur. Hein. C'est ça. Oh là là, ne te laisse pas aspirer, Sauveur. Ah, c'est une 3 secondes. Oh, mais là, il y a combien de changements de direction? Ah, c'est. Ah, attention, George. George Geo, le duel. Round 2, Ludo qui repasse Batman enfin. Round 2, ouais, il est un petit peu plus loin là. Il est très très loin, George. Norzem qui va passer. Et c'est fait dans Norzem. Allez, maintenant faut distancer. Là, faut aller à fond. Attention, c'est qui? C'est Tex? Non, trop loin. Médusa, pourquoi pas sur Batman? Là, derrière, ouais. Et Ludo qui est passé sur Batman. Oh non! Et Batman qui a fait trop tard! Avec le DRS. Et Yukitsune, par contre, allô? Ah, Yukitsune qui. Là, faut aller au stand là. Allez, Médusa, il faut y aller. Allez, allez. On met le RS, mon grand. Allez! Allez, avec une peut-être. Monte la Mercedes là. C'est la bataille, mais ça serait pas la bataille Bottas Russell ça? Ouais, on la reconnaît. Et Ludo qui a plus dans le jardin. Tu compares Mélissard à Bottas? Ouais, bah. Quoique là, c'est difficile là de. Mais dire du, qui est il est Blackfly. Comment ça, il est Blackfly? Hein? Comment ça? Allo? Ah, Yukitsune, attention! Oh là! Oh là là! Laisse passer. Ah oui, donc là il a pris un tour. Il a pris un tour Yukitsune. Ah ouais. Ouais. Awakni, 3 secondes. En et vrai, là, moi là Yukitsune, je passerais même 3. Dans les stands. Oh là là, oh Yukitsune qui est super mal mis pour laisser passer. Oh là 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 là. Ah ouais, il est à l'intérieur là, c'est dangereux. George, attention, non, George. Ah, George. Norzem met en temps. Allez, Gio. Allez, Gio. Et Norzem qui attaque. Allez, Gio. Oh, à l'intérieur après. Oh là 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 là! Ça défend bien! C'est bien ça! Et Norzem qui n'a pas encore réussi à passer sur. Sur Vartir. Oh, c'est libre! George qui est encore là! Oula, c'est libre, Tex! Attends, George, ah oui, George est encore là! C'est pas fini pour George! Pas de tirer d'un mot! Attention, oh ça va être. Ouh! Oh là 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 là! Mais j'ai osé! Encore! Oh non! Et Norzem qui part dans le mur! Non! Oh non, terrible! Oh terrible! C'est pas possible! Ah, il doit être fou de rage sous son casque. Oh non! Et par contre, il a pas de dégâts! Si, il a des dégâts, Marc. Ouais, sur le bot, il y a zéro truc. Ah, mais Norzem, mais nous on parlait de George là. Ah, quoi? George, il a pas de dégâts. Ah, merde! Pas de dégâts. Parce qu'il y a Norzem aussi qui a spin. Mais non, mais parce que devant en fait, t'as Géo et George, ça s'est touché. Du coup, il a spin, George, il a tapé dans le mur, il a rien. Mais pourquoi vous êtes que 17 ce soir? Il y a de la place en Ligue B. Alors, il y a un absent, il y a une place et deux absents, en effet. Ça. Mais la place va être prise apparemment. Attends. Si j'entends les rumeurs. Les rumeurs qui dorment pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour Norzem? Il a essayé de doubler Varkir, je crois, et ça. Il a pas été patient, Norzem. Est-ce que Sauzer sera avec Niv? Non, il pourra pas. Ok, dommage. Après, j'ai pas vu l'action, on disait que Varkir a fait quelque chose de. Oh là! Oula! Norzem, qu'est-ce qui s'est passé Norzem? Bah, il a été au stand, je pense que ça a été un mental breakdown pour Norzem. Après, faut qu'il en donne, hein. Norzem, faut qu'il en donne. Ah non, faut qu'il aille au bout quand même, c'est des points, même s'il a au compte, c'est Limitex, c'est plus de la Formule 1, c'est du rugby. Ah ouais? Tant que ça. Sim a carrément mis un coup de roue à Tex en pleine ligne droite, hein. Je veux dire, avec son DRS, c'est. Par contre, Georges, t'as pas de dégâts, c'est quoi ça? C'est. Faudra revoir un peu. Awakni! Awakni qui sort! Oh terrible. Et qui est parti.
Et qui a cassé moi, son anneau. Moi j'ai la team Rocket. Attends, qui a cassé son anneau. Ouais, il a cassé son anneau, ouais. Oh non. Pas son anneau. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Et là, Sauzer du coup qui est tranquille, hein. Sauzer qui va finir tranquille à la 4ème place. Ah, Sauzer est tranquillement en effet. Et là, George, hein. George qui est juste derrière Sparkir. Là, ça a été renforcé. Il y a eu du titane sur la. Là, pas de là, c'est un aileron de titane Tex, avec Tex de sur Selim. Avec métal, hein. En effet, Tex sur Selim. Ouais, mais est-ce que c'est. Est-ce qu'il va. Je pense que du coup, Selim va avoir le DRS là. C'est ouais, on va voir George. Attends, donc un changement de direction. Il y en avait deux là au milieu là. Il y en avait deux là. Là, on est d'accord. Non. Que pour moi, ça, pour moi, il a tapé et genre d'un coup, zup, zup, on est reparti. On est reparti. Ouais, ouais, c'était. Ouais. Pour pas doubler avant le DRS. Oh, ah, non, ça va. À analyser, je pense. Hein. Bah écoutez, moi j'ai pas vu l'action donc je suis désolé, j'étais oui, sur mon zéro. Si quelqu'un a clip, ça serait cool. Pour qu'on puisse le regarder après, pour que Gary puisse le voir aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Et George à 2 dixièmes. Et Tex sur Selim. Ah, Selim sur Tex, ouais. Bah, Tex qui avait doublé Selim juste avant la parabolique. Et Batman, meilleur tour en course. Et Tex, ouais, Tex, bah, Tex là, dans tous les cas. Par contre, celui qui est bien, c'est Ludo. Il a 11 secondes, Tex. Oh, ouais. 11. Ouais, ouais, parce qu'il a pris 5 secondes dû à Selim qui lui a rentré dedans. Ludo, il est très très bien. Hein. Mais Ludo, là, il peut Ludo, même aller chercher la 5ème place. Ça, hein. il gagne 2 places. Il peut même aller chercher la 5ème s'il veut. Hein. Ouais, et Ludo qui y va, hein. Ludo, ouais, qui Ludo va qui sur qui Selim. Va. Oh là, oh là, là. Il lui a dit laisse-moi la place là. Ah ouais. Là, il lui a dit dégage. Ça dégage. Ça dégage, hein. Quoi que ton avec là, lui. Là derrière. Oh là là, et Selim qui a du mal. Ah oui, non mais. Là, il a perdu un bout d'aileron, Selim. Ouais, je suis en bas, t'as cassé son aileron. Oh non, terrible. Oh, il se fait rattraper par Tex, il s'est fait doubler par Wakni. Aïe aïe aïe. Et George qui avait doublé Barkir. Oh, il se passe trop de choses. Ah, c'est compliqué de et là, du tout coup, suivre. La 4ème place, elle s'envole pour. Mais du coup, non, c'est Ludo. Mais c'est Ludo du coup maintenant. Ah, Ludo, il est aller chercher la 4ème place. Ludo, il est très très bien là. Ludo, quel GP. Tient bon, oh non. Ouf, oh là, j'ai eu peur qu'il a mis Ludo. Ouais, ouais, j'ai eu peur aussi. Ouais. Attention, bon, on attention. Pas son petit coup, mais après voilà quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, normalement, on connaît le podium, ça devrait rester comme ça. Et c'est Médusard aussi, Médusard qui passe potentiellement 5ème aussi. Ouais, Médusard qui est très très bien, il joue des... Des erreurs des autres. Concrètement, en fait, à chaque fois que Ludo dépasse quelqu'un, Médusard est juste derrière, c'est un peu un drapeau bleu qui... Ouais, c'est ça. Et là, Ludo, il est en train de mettre la pression déjà à Tex. Plus rigolé qu'au GP de l'AFC Spartan, on va pas se mentir. Aïe, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, oui, qu'est-ce qui se passe là-bas sur G-Shift, Firma, dis-nous un peu ce qui se passe sur le G-Shift. J'ai du mal à me dire que le truc s'appelle G-Shift. Ouais, ça fait bizarre, G-Shift. Ça me fait autant dire Gotaga Shift. Non, voilà. Même pas, Gotaga Rift. Sauzer, il a du mal. G-Fight, c'était bien, moi, je trouve. Bah, la VMV se fait souiller. Aïe, coup dur. Ah, la VMV se fait souiller. Ah. Ouais. Et George, bon, bref, c'est comme meilleur tour. George, très bien. George prend le meilleur temps avec des médiums en 16 tours. Ouais, ça normal, logique, je veux dire. Et moi j'ai des bugs, je sais pas si c'était Tex ou Ludo. Ouais, mais non, j'ai non plus, des ouais. Bugs de ouais, y'a TP. Des petits TP, ouais. Et Medusar qui va tenter sur Ludo. Non, il y va pas. Quand là, tu il reste, vois c'est le dernier qu'un cheater de F1CS, retourne kilo. Pas. D'accord, ok. Ouais. C'est la loulou, regarde. Ok, bon, on va. Changer de message. Alors attention, Ludo. Oh, mais c'est un bug, c'est pas possible. Ouais, je crois que c'est Tex, je sais pas. Mais bizarre, moi je le vois avec une barre aussi, mais je sais pas. A voir. Après, on sait qu'il est Server Codemaster. Du coup, je jongle avec son spin qui tranquillement va finir deuxième. Ouais, écoute, il se dit, bon. À quoi bon Ludo. Bah écoutez. A failli partir pour Ludo. On va regarder quand même Jiozu, on l'a pas beaucoup vu Jiozu parce qu'il a quand même fini le GP. Bravo à lui, bah juste un grand prix exceptionnel, même une défense titanesque. Ah ouais. Oh Tex qu'il prend 3 secondes de plus, aïe aïe. Une défense titanesque sur son frère, vraiment on peut l'applaudir Jiozu. George ouais, deuxième, après, Varkir. Varkir. La petite défense était un peu bizarre. Troisième. Ouais. Après ça je l'ai encore coup, derrière, vu. Et attention derrière là, on va Ludo, voir Ludo 4ème, ça serait Ludo 4ème je Ludo crois. 4ème, et ça Ludo serait qui serait super bien.
Et une bonne opération, oh, attention. Ludo, Ludo, il a plus d'essence. Il a plus d'essence. Terrible, terrible. Il est en quatrième. Oh là 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 là. Oh, Wagni, 6ème, 7ème, Sozermat, 8ème, Selim, 9ème, Tex, 10ème, Despooky, 11ème, Batman. Et à chaque fois, c'est comme ça, Médusard, il a l'air de ne pas y toucher, à chaque fois, il finit dans les gros points. C'est Médusard 4ème. Qu'est-ce qu'il fait, Batman? D'accord. Ok. Ah ouais, c'est sympa, le... Ah ouais, et 12ème, Norzem. Ah, c'est dur, hein, parce qu'il avait vraiment cette remontée, était... Ah, dommage. Une envie de crever. Ah, envie de une douce envie de crever de la part de Norzem. Oh, allez, oh, allez, oh, le cadavre, incroyable, bravo à tous les pilotes. Bravo, c'était Ludo. C'est intéressant comme course. Ludo, Ludo qui, ouais, même si il finit sans essence... Je crois qu'il y aura encore pas mal de commissions ce week-end. Ouais, je pense que les... Bah non, parce que personne ne filme. Personne ne filme Thomas Zer, donc c'est bon, il n'y aura qu'une commission. Ah oui, c'est vrai, il y a merci. C'est, normalement, ça devrait aller. En tout cas, bravo à tous les pilotes. C'est quand même un beau GP, hein, vraiment. En tout cas, je me suis plus amusé sur le GP là que sur Portimao. Ça, c'est sûr. Le plateau dans la sauce béchamel, mais belle course au monde, ça fait plaisir. Bah en vrai, enfin genre avec toutes les interviews, on peut aller jusqu'à 30, mais pas plus. Hein. C'est genre... Et en plus, il y a eu deux safety cars. Et en plus, c'est deux safety cars. Imagine sans le safety car. En tout cas, bravo. Bravo à tous les pilotes. Je vous pose le screen. Faut que je screen, sinon ça la... Faites comme vous pouvez. NCM. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez. Mais c'est quoi le problème à chaque fois en fait avec le plateau? Je. C'est moi, Thomas Zer. Ouais, c'est quoi, ah, mais, comment, comment c'est Tex? Même Tex, il a fini là. Même s'il doit se mettre en place. Il est 16, tu vois. Il a quand même fini, Tex là. Thomas Zer, une note de 0 à 20. Ok, alors. Paint. 0 à combien? De 0 à 20. À 20 sur ce GP, ouais. Malgré les safety cars, en vrai, moi, la bataille Jo et Georges, c'était vraiment sympa. Ouais. Et d'autres trucs aussi. Donc, je mettrais. On va pas dire que c'était le meilleur GP, hein, mais je non, mettrais bien loin de là. Un petit 14. Loin de là, c'était pas le meilleur GP, ça c'est sûr. Mais sauf qu'il y a eu des choses assez moches aussi. Mais comment dire, c'est vrai que bravo à tous les pilotes. Bah, on va faire beaucoup d'interviews ce soir. Non, mais, oui, bah, on va interviewer tout le plateau. Les fondateurs aussi. alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Geozu qui est là. Incroyable. Geozu, première victoire de Geozu. Bonsoir. 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 Ah oui, bonsoir. Ah, yes, j'ai ouais, pardon, mon micro était pas branché. Des couilles. Allez, donc en tout cas, bravo pour cette première victoire, Geozu. Merci beaucoup. Alors vas-y, résume-nous un peu ton week-end et sois très très lent, bien sûr. On a du temps à gagner. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au début, en vrai, avec la connexion, j'ai eu un peu peur de pas participer au Grand Prix. Mais après. Ouais, ça j'ai vraiment eu peur. Puis au début de la course, ça s'est bien déroulé. Puis après, quand j'ai vu mon frère remonter, j'ai un peu eu peur. Et puis, bah voilà quoi. Puis après, on a eu un contact entre nous deux. Et puis, ouais. Je sais pas. Ouais, je sais pas si j'ai faute, on va voir les images. Ah, en tout cas, comment dire, sur le stream, c'est, on voit pas. Ça, ah, c'est ok. Sûr. Bon, est-ce que vous avez filmé? C'est une autre question. En tout cas, comment dire. Vas-y, Thomas, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, mais pour moi, juste sur l'action, c'était. En vrai, c'était juste que c'était un peu une défense serrée, mais en vrai, je pense que c'est assez legit. Et vous avez fait un beau spectacle. Donc... Oh, c'est vrai qu'il y a eu un beau spectacle quand tu dédoubles, etc. Quand tu te repasses, c'est vraiment très très bien fait des deux frérots. Ouais. Quand il loupe son freinage et que tu le dédoubles, oh, ouais, ouais, là, celle-là, merci. C'était du caviar. Merci. Celle-là, c'est vrai que c'était du beau caviar. Et comment dire, est-ce que quand il y a eu la safety car, tout ça, t'as eu peur et que c'est par rapport à d'autres? Bah, ouais, venir, ouais, j'ai eu vraiment peur, ouais, parce que je me suis dit, ouais, ça va remettre les compteurs à zéro, donc ouais, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. Mmh. Bah, on savait qu'il y a Norzem qui a monté avec ses softs là, c'est sûr. Bon, après, on sait tout ce qui s'est arrivé après. Maintenant. Petite trêve de deux semaines, enfin une semaine ouais. De trêve avec dans deux semaines le Grand Prix de Monaco. Ouais, je pense à faire du bien. Comment dire, Monaco, tu as déjà toi couru dessus? Ah, Monaco, non, je fais pas beaucoup de GP dessus, non, c'est à voir, hein, mais. Attends, t'as deux semaines pour t'entraîner, entre guillemets.
T'as 2 semaines pour t'entraîner, donc ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, bravo à toi et belle victoire. Merci ciao. Beaucoup. À 2 semaines. Vas-y, ciao. Merci à toi. Salut. Allez, salut. Et on est sur Varkir. Varkir qui n'est pas dans la fratrie, mais qui est 3ème. Bravo Varkir. Ouais. Bravo Varkir. Merci, merci les gars. C'était chaud. C'était très chaud. Comment tu pourrais résumer cette course Oula, il y a eu beaucoup de surprises. J'ai eu un peu de chance aussi. Qualité le bal quoi. Déjà les qualifs, j'arrive, j'y vais 4ème, je passe 4ème, je fais des temps franchement de merde, hein, parce que je peux faire beaucoup plus, enfin beaucoup mieux genre. Et départ, genre je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Et en fait si tu veux, dans le tour de chauffe, il a spin 2 fois, du coup ses pneus étaient archi chauds. Et donc du coup il a eu énormément de mal. Ok. Je pense que c'est ça. Mais du coup j'ai dépassé 2 personnes, donc genre j'ai, je sais plus qui, je crois que c'était le 3ème. Et après j'étais sur Géo. J'ai essayé un peu de le rattraper, c'était un peu compliqué. Après, il y a eu la safety car, la première là. Ouais. Elle t'a mis mal, c'est vrai. Et on a vu que t'as eu du mal à, sur les 2 relances, t'as eu du mal, hein. Tu t'es fait surprendre 2 fois. Ouais, c'était compliqué quand même. Mais bon, j'ai eu un peu de chance parce que quand je suis rentré au stand, il y a eu la safety car juste direct. Donc j'avais dépassé Georges, je crois. Il était derrière moi du coup. Mm-hmm. Et ouais, c'était un peu compliqué, mais bon. J'arrive quand même à faire une 3ème place et Ludo aussi, il arrive à faire 5ème place. Incroyable. Ouais, pour la team, c'est de gros points et surtout que bah, Acta a abandonné. Ouais. Et donc, tu prends de très gros points pour la 2ème place par rapport à lui. Et c'est sûr que là, entre guillemets, toi et George, vous envolez quand même par rapport au classement général. C'est sûr que là, maintenant, il faut continuer comme ça. Il faut tout le temps faire des bonnes places, jamais abandonner. Et normalement, ça devrait passer. Hein. Ah, mais c'est la réalité que vous faire c'est sûr. Des bons résultats. C'est sûr qu'il faut pas spin, faut pas abandonner. Bah voilà, faut pas casser en effet. Mais oui, en effet, c'est sûr qu'il va falloir être solide sur les appuis. Et, et voilà, donc en tout cas, à dans 2 semaines, Varkir pour Monaco. Ouais. Et on espère que tu seras aussi bon. Ok. Ciao! Salut. Et on prend George. Bonsoir George. Bonsoir Jean. Salut. Salut toi. Ouais, ça va. Belle 2ème place. Bravo. C'est des beaux points pour le classement général. C'est tu prends encore plus d'avance sur Varkir et t'en prends beaucoup sur Acta en Verda. Je crois que t'as même bientôt maintenant 2 grands prix d'avance sur Acta. Ça commence à devenir Peggy 18. bientôt champion à Monaco ou en Chine peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas vraiment belle course de ta part et un duel de frérot. Après je sais pas, mais je trouve que pour le quand j'ai en face, ça aurait pu être bien pire parce que pour l'accrochage qu'il y a eu, j'aurais pu abandonner quoi. Mais d'ailleurs t'as pas cassé du tout. Non, j'ai pas cassé du tout, il y a eu un bug. Bah après, j'ai pas tapé très fort. Hein. J'ai pas tapé. Mais c'est vrai que sur ma cam, la mienne, il a pas tapé fort non plus, mais t'avais pas cassé non plus. Ah ouais, j'avais pas cassé. Bon, j'ai accroché sa roue arrière et. Ouais, après, je suis parti, mais c'était assez doux comme accrochage. Mais bon. Après, j'ai réussi à rattraper. J'ai réussi à rattraper Varkir et moi j'ai chopé la 2ème place. Est-ce que tu vas faire une réclamation contre ton frère? Non, je suis pas comme ça. Ouais, pas comme ça. Je vais revoir les. Mais non, mais c'est pour moi, c'est. Voilà, j'ai peut-être un peu trop plongé, c'était peut-être un peu resserré et puis voilà, c'est. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est une 2ème place. Hein. Ouais. Ça peut être des gros pas perdus, hein. Ah, c'est non, sûr qu'on va le faire. Bon, ça devrait quand même aller, hein. Je pense que c'est quand même. Ça devrait aller, je veux dire, il a quand même maintenant. T'as presque 60 points d'avance sur Acta, je crois, et enfin c'est sur Varkir, t'as encore agrandi ton écart. Bravo à toi, parce que enfin comment dire, t'es juste trop fort quand on voit les temps que t'as fait en médium, vraiment bravo. Donc non, vraiment bravo à toi, et on espère que dans 2 semaines tu seras toujours aussi fort. Ouais, bah Monaco ça va être compliqué parce que j'ai jamais fait Monaco pour l'instant sur F1 2020, donc je. Bah écoute, t'as 2 semaines pour t'entraîner. Ouais. Allez, tchuss. Merci les gars, à plus. Et on prend Ludo. Non, c'est bon.
Et on prend Ludo en loge canal. Et oui, je te move comme ça. J'ai pas Driver of the Day, Ludo. Oui, et merci, Driver merci. Driver of the Bouffe aussi. Bouffe of the Day. Pour le. Qu'est-ce qui se passe à la fin? J'avais plus d'essence. Mais pourquoi, j'ai mis le mélange riche pour dépasser la racine point là. Et en fin de compte. Et en fin de compte, ouais, bah, j'étais un petit peu trop optimiste. Bah, dans la dernière ligne droite, j'avais plus rien. Quoi. Ils avaient des pénalités en plus. Mais en fin de compte, pour t'expliquer, j'ai décalé mon HUD. Ce qui fait que je vois pas le côté, je vois pas ceux qui avaient des pénalités. Donc, ce qui fait, j'étais non, pas. Si je travaille erreur de ma cassé, part. Je veux dire, c'est. Ah, c'est Thierry là. Non, ouais, c'est. S'il vous plaît. Ah, c'est. Mais... En tout cas, bravo quand même. Belle remontée. Ouais, j'aurais jamais cru ça, surtout après le premier tour. Donc, je pète un aileron, je repars en dur, j'ai pas de rythme. Je me suis dit, ouais, pour se galère. Comme quoi, à tout le chat, il faut toujours rester. Comment dire? Il faut toujours rester focus, ouais. Il faut toujours rester focus. Mmh. Et c'est vrai que voilà, il y a eu deux safety cars, ce qui t'a permis de changer, etc., ouais. De rester. Machin. Ouais, ça m'a sauvé. Ça, quoi. T'a bien ça m'a sauvé. J'ai tout le monde dit Valfury. Valfury qui loupe. Oh, c'est pas le responsable qui rate pas les grands prix. Oh, super. trop chaud, Ludo nous dit Verkir. Ouais, c'est peut-être un peu de préférentisme là-dedans. Mais, Il y a eu aussi un petit coup de roue à Séné. Je sais pas si t'avais remarqué ou pas. Non, j'ai pas vu. J'ai juste vu avec. Ah oui, avant Ascari. Ah oui, il y a eu un petit, oui. Ah, il y a. Léger, hein, léger, mais. Ça a été un peu. Hein, je t'ai dépassé, mais dégage, s'il te plaît. Hein, agressif, quoi. Voilà, mais bon, après ça. Après, en soi, bon, c'était. Tu l'as osé, c'est passé. Bon, après, voilà, ça sera vu après en commission. Si jamais il porte réclamation. Ouais, pas de souci. Moi, sinon, je faut... ce qu'il faut retenir quand même, c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est ta belle performance et que tu sois oui, jour qui est mérité quand même. Hein. Faut... Ouais, mais ça, c'est même un miracle, quoi. C'est... En plus, j'ai été tapé par Medusark. Bon, en fin de compte, quand il a spin après la deuxième safety, je suis revenu. En fin de compte, il m'a tapé sur le côté. Bon, j'ai pas eu de. Ah, et bon, j'ai c'est pas quand eu même, de. C'est quand même une faute. C'est... Ouais, mais c'est pas grave. Ça m'a pas. On a eu un beau combat tous les deux, donc j'ai kiffé, quoi. Bah écoute, tant que t'as kiffé, ça me fait plaisir. En tout cas, bravo à toi, Ludo, et on espère que comment dire. Que tu reprendras avec comment dire une meilleure performance. Oui, oui. En plus, c'est un circuit qui doit me porter chance parce que j'avais gagné en F2 là-dessus. Donc, ouais, c'est vrai, je me souviens, tu nous avais devancé de peu et t'avais gagné. C'est ça. Et en plus, le pire, c'est que j'avais pas train. Hein. J'ai traîné hier, pas plus. Hein. Désolé. Tu vois, comme quoi, sorry. Juste sorry. Hein. Moi, je veux dire, on est. Ouais, on coupe le live. En tout cas, la légende vivante des responsables Big B. Rentrez-moi ce soir sur le plateau. Ah, il est sur le plateau, Valfury. Valfury qui sort sur le plateau ce soir. En parlant de plateau, concrètement, c'est va falloir. On va couper. Donc, juste après, vous avez le plateau. J'espère qu'il est. C'est vrai que la FC a plus de viewers que nous. Peut-être parce que c'est la fin de la Ligue B là. Peut-être. Hein. Peut-être. Hein. Bah, ce qui arrive à la fin. Bien joué. en tout cas, comment dire. Bravo à tous les pilotes. Merci encore à Asmod et Thomas Zer. Merci, je te laisse retourner dans ton moto, bien sûr. Mais comment dire. voilà, merci encore. Merci pour les 5 balles, Asmod. comment dire. Non, c'est vraiment toujours un plaisir. Ça fait un très très beau grand prix. Juste après, vous avez le plateau. Voilà, donc ne quittez pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Liga, bien sûr, qui sera castée par Zerglinking. Et je ne sais pas qui. Hein, je crois que ça. C'est Shift, c'est Shift. Donc en tout cas, merci à tous. Revenez aussi la semaine prochaine. Ce sera pas la Ligue B, ce sera des events. Voilà, mais la Ligue B revient dans 2 semaines. Donc voilà, la Ligue B ça revient dans 2 semaines. Restez aux aguets et on se dit la prochaine fois.
Ciao. Ciao. Thank you.